Romans chapter 5. We won't be covering everything, but we'll be extending our Bible study series on Romans. And Lord willing, we'll be preaching on it the next few Sundays. Ok, et maintenant, on a commencé déjà, mais on a pris maintenant dans Romains chapitre 5, verset 1. Romans chapter 5, verses 1 through 11 will be our lecture this morning. Et on a fait l'écrit en anglais, on a fait en anglais, et on a sauvé tout. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. For while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows his love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies, where we were reconciled to God by death of his son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by his life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Okay. Soy Arturo. Kounia, parce que nous avons confiance dans mon Dieu, mon Dieu fait nous grâce, nous vivons sans qu'elle saute à mon Dieu. Donc merci Jésus-Christ Seigneur nous. Parce que nous avons confiance dans lui, Jésus fait nous entrer dans la faveur, mon Dieu. Et puis nous avons des femmes côté de nous. Nous ne sommes pas contents parce que nous avons espoir de recevoir par nous dans le pouvoir, mon Dieu, ensemble avec lui. Nous ne sommes pas contents, même les nous souffrons. Pour qui ça? Parce que nous connaissons les nous souffrons, ça fait nous patience. Les nous avons patience comme ça, ça va nous courir pour nous souffrir. Plus tout est courage, c'est plus tout est espoir. Espoir ça, pas de chambre tromper nous. Parce que bon Dieu te fait nous, ouais, chambre remet nous, l'elle bat nous cet esprit. C'est comme ça. L'elle nous pas capable de faire un pour être pas nous. Christ a mouru pour tout le monde qui méprise bon Dieu. Dans le temps, mon Dieu était fixé pour ça arriver. C'est pas facile pour joindre un monde accepter mourir pour un monde qui a raison. Ou t'as qu'à joindre un bon ça, qui t'a qu'à courir mourir pour un délire. Sous point ça, bon Dieu montre nous, j'aimerais mais nous en pile. Parce que nous t'a fait pécher toujours, le Christ l'a mouru pour nous. C'est parce qu'elle baille sans lui pour nous, qui fait couler à bon Dieu, fait nous grâce. Nous pas besoin de demander si Christ l'a pas délivré nous tout en bas de bon Dieu. Nous tout, nous tel ennemi à bon Dieu, les petits bon Dieu à mourir pour te faire nous bien à bon Dieu encore. Ou lié à nous, c'est 100 000 bon Dieu. Nous n'avons pas besoin de demander si la vie petite bon Dieu n'a pas délivré. Et puis, c'est pas ça seulement. Nous jouons tout plaisir nous dans bon Dieu. Grand merci Jésus-Christ, Seigneur nous, qui fait nous bien à bon Dieu encore depuis que nous lié. Amen. Ok, donc, comme nous l'avons dit, chaque fois que nous passons la parole à lui, donc vous dites à nous ça ou là. We always say that whenever we read the scriptures, you have already received the sermon. Même lorsque tout ça que dit vous pas d'accord avec vous, mais ça quoi que ça clair, tolia. You may not always agree with everything that I may say, but the word of God, it is unquestioned. Et un message, un dernier message, non? On devait parler sur la justification. The last time we preached, we talked about justification. On devait parler de l'importance de la justification. We talked about the importance of justification. Je veux dire un peu de mots nous proposer parler sur les bénédictions de la justification. And so today we hope in a few words to talk about the blessings of the justification that we have. C'est exactement ça le titre.
Et mais ça maintenant, c'est les bénédictions de la justification par la foi. So we are titled today the blessings of justification by faith in Christ. Donc l'idée centrale que nous voulons partager avec vous, c'est comme chrétiens, nous devons expérimenter les bénédictions de la justification par la foi. The main idea I want to communicate this morning is that as Christians, we need to experience this justification in Christ. Vous savez que si vous partez expérimenter les bénédictions de la justification, that means if you are not enjoying the blessings of this justification, that means you have not been justified. Sans la justification, and without justification, there is no salvation. Amen. Donc c'est exactement ça qui maintient. Donc notre cas dit comme la justification est l'acte par lequel Dieu déclare la liberté aux croyants qui étaient condamnés à mort. Justification is the means that